Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Duty Game. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Farming Simulator 22, entreprise Agriti. Alors la dernière fois, on avait eu le souci de l'herbe là. L'herbe, du coup, bah pour l'instant, je pense que c'est comme ça, alors on laisse comme ça. Tiens, il y a de la pierre alors que j'ai désactivé la pierre, c'est bizarre ça. Ouais, bizarre ça. Ouais. Ouais, c'est. Ben ouais. Après, vu qu'elle était déjà là avant, je sais pas. L'herbe, du coup, ben voilà quoi, ça a coûté bonbon. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai été chercher deux disquettes. Une disquette, c'est 50 000, donc ça va. Après, ce qu'on fait, c'est vrai que 50 000, on peut se dire c'est cheaté. Mais ce qu'on fait, on se dit que ben. On garde, on prend quand même toutes les disquettes. De toute façon, ça, on va dire que ça payera la terraform. Ça fera 1 million de terraformation. La terraformation, 1 million, c'est même pas assez. Hein. Je vous le dis direct. Bah, si on veut, si par la suite je veux faire pas mal de terraformation, c'est même pas assez. Alors voilà, on va dire que c'est assez honnête. Et au moins, ça m'a permis de. Bah, de mettre de l'herbe quoi. De l'herbe sans me ruiner. Et puis pouvoir acheter les machines après pour faucher et ensemencer. Du coup. Là, du coup, ce champ-là, par contre, je le fais pas en herbe, hein, j'ai pas envie que ça me coûte bonbon. Ce que je vais faire, c'est qu'en fait, les premières bottes de foin, je les prendrai au magasin. Et en premier, on fera de l'herbe et on achètera le foin. Et comme ça, bah, la prochaine fois, on pourra faire du foin la prochaine fois là, au lieu de faire de l'herbe sur ce terrain. Voilà. Du coup, maintenant, on va aller acheter du matos pendant que l'ouvrier s'occupe. Du champ. Alors là j'ai racheté ça, un stylo, il coûte seulement 1000 euros. 1000 euros si jamais vous le voulez. C'est là, conteneur, et dedans vous pouvez mettre de la semence quoi. Et il coûte seulement 1000 euros, donc ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Du coup j'ai remarqué une superbe occasion qui va en plus être top pour nous. Voilà, moins 67%. Par contre, alors elle a déjà 38 mois. Elle a 29 heures de travail, ok. Ok. Ouais, je pensais ouais, me la prendre parce que bah du coup ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ça va transporter. Là et là, c'est quoi ça? C'est un déchaumeur, non? Bah, ça, j'aimerais bien savoir si. Si jamais vous. Vous connaissez, c'est quoi la différence entre un labour normal et un labour superficiel? Là on a quoi, un petit Veltra 145 chevaux, c'est pas foufou. Ouais. Et bah voilà, voilà, la remorque, on a quoi 23 mètres cubes. C'est quoi, c'est 23 000 litres, c'est ça? Je pense. Ouais, je pense. Ouais. Ouais, elle est pas mal. Niveau chevaux, 95 chevaux, c'est nickel. Bah voilà, c'est nickel. Nickel. Elle tombe bien, hein, pour une fois, là, elle tombe bien, là, cette... cette petite occasion, alors ça on va la prendre. On peut quand même faire des petites modifs dessus, ça c'est cool. Elle est bégatée, on va prendre un bégaté. J'aime bien. Réservoir d'additifs d'ensilage. D'accord, mais je me demande c'est quoi. Ah, en fait, est-ce que c'est utile ou pas? Après, par la suite, pour l'ensilage, de mettre de l'additif. Je sais pas. Je sais pas du tout. Je pense que oui, en fait, on ramasse l'herbe, on met l'option additif, et après hop, on met de l'additif, et du coup, ça mettra un meilleur rendement, je pense. Je pense, hein, je suis pas expert, mais je pense. Du coup, on l'achète. Ensuite, on va avoir besoin d'un endaineur. J'avais pris quoi en. J'avais pris lui, mais je sais plus, j'avais mis quoi comme. Comme chargeur. Est-ce que déjà j'ai bien mis un chargeur? Ouais. Scié. Je pense que j'ai mis quick. Je pense. J'espère. Ouais, tiens, on va déjà aller au magasin. Alors après, faut me dire aussi, parce qu'en fait, je me demandais, là, par contre, après, bah, bon, bah, quand on va faucher l'herbe, quand je vais aller faucher l'herbe, quand, je sais pas, moi, quand, merde, c'est pas où, encore, c'est par là, hein. Non, je me trompe totalement, là,
Ah mais d'accord, je suis au magasin en fait. J'étais au magasin avec elle. Par exemple, quand on va faucher l'herbe, tout ça et tout, est-ce que vous voulez tout le temps désaccélérer ou quand même on se fait quand même des phases où on fait ça parce que après je trouve que faire tout le temps désaccélérer sur ce genre d'étape, déjà on voit pas vraiment le travail et tout ça alors que c'est le but de ce jeu. Et de deux, après, ça se transforme plus pour vous, les vidéos, en des vidéos de gestion, moi, je trouve. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je trouve que faire trop d'accélérer dans les champs, tout ça, ok, ça rallonge la vidéo et tout, ça c'est sûr. Mais est-ce que... Voilà quoi. Ah oui, je voulais voir si je pouvais réparer un coup. Ouais, ça devrait être bon si je la mets comme ça. Ouais. Alors. Tac. Voilà. Est-ce qu'elle a besoin de réparation? Ouais, 1400 de réparation. Tac. Par contre, la peinture, dites-moi si vous, chez vous, vous avez des dégâts de peinture. Si vous voyez, la peinture, elle est pratiquement à 0%. J'ai pas l'impression qu'elle ait changé. Alors, elle. Ah, peut-être qu'elle est moins vif. Peut-être que le rouge est moins vif, là. Mais sinon, j'ai pas l'impression de voir une différence pour la peinture, quoi. Ouais, je sais pas trop. Je sais pas trop, hein. Du coup. Alors. Il nous faut. Une endaineuse. Endaineur. Alors, non. Là, on a des 3. 4,7 mètres. Et là, on a 8,4 mètres. Ça peut déjà être mieux. C'est 19 000 quand même. Hein. Mais c'est vrai que là du 8 mètres ça pourrait être pas mal. Non, après on passe sur des choses un peu plus sérieuses. Ouais, 19 000 ça me paraît pas mal. 80 chevaux c'est nickel. C'est nickel. Bah voilà, on la prend. Voilà. Ensuite, la faucheuse. Alors, la faucheuse. Du coup. Non, on va prendre celle-ci. Hein. Du coup, ça c'est du 8,3 mètres et celle-là c'est du 10 mètres. D'accord. On gagne pas grand-chose par rapport aux 50 000 de plus, on gagne 2 mètres quoi. Même pas, ouais. On gagne 1,7 mètres. Bon, après, niveau du kilométrage, 22, pareil. 120 chevaux et là. Ah ouais, 160 chevaux en plus. Ouais, bah, autant prendre la conne. Qu'une conne. Je sais pas, conne. Voilà. Tac. Ensuite, pour l'herbe, la pousse, c'est 2 mois. Que vous sachiez, quand vous êtes en un jour, c'est 2 mois pour la pousse de l'herbe. Du coup. Ah oui, aussi, faites attention pour l'instant avec les palettes de fraises et miel et tout. Des fois, il peut y avoir des bugs et ça peut carrément se rester bloqué dans le sol. Et alors, faites attention. Pour l'instant, c'est pour ça que moi, j'ai mis en mode en vente automatique pour les serres. Est-ce que je l'ai fait au moins? Je ne crois pas en fait, moi. Non, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. Voilà, là, vous changez le mode de production. Vous avez distribution. Distribution, ça servira en fait à distribuer dans vos magasins, quoi. Dans les magasins, tout ça, quoi. Alors, vente, vente et vente. Hop, vous faites ça, par contre, faut le faire pour tout. Hein. Vente, vente, vente. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez choisir par exemple, de vendre juste. Par exemple, vous avez une usine, vous avez besoin de fraises. Bah, du coup, vous pouvez choisir ça en vente, vente. Et hop, vous mettez les fraises en distribution. Voilà. Vente, 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 c'est bon. Et vente, vente, vente. Voilà. Du coup, on a ça, ça, ça. Qu'est-ce qu'il nous fallait? Ah ouais, le chargeur. La chargeuse. Je crois que c'est une quick hein, que j'ai pris. Mais je suis pas sûr du tout. Pour. Ouais, je suis pas sûr du tout. Hey, mais je suis bête moi. Voilà, tout simplement. Tac. Tac. Configurer. Ah non, c'est la hauteur. Ah ouais, j'ai même pas utilisé la nouvelle
une nouvelle charge, j'ai pris la hover. Bah tu me diras dans l'autre série, la série multi, on est avec la quick, on a commencé avec la quick. Donc du hover. Hover. Alors. On va prendre l'entrée de gamme pour le moment, je pense que ça suffit. Ah bah oui, ah ouh, 120 chevaux. Hein? Je vais passer sur du quick. Hein. Je vais passer sur de la quick. Pas le choix, hein, en fait. Hein. Ah ouais, je vais passer sur du quick hein, parce que. Ouais, on va passer sur du quick. D'ailleurs, là-haut, l'essence. Hop. Configurer. Voilà, bon, on doit payer 1500, mais bon, c'est quand même mieux. On est sur 76 chevaux, donc on doit prendre la plus petite. Hein. Tac. Tac. Et celle-là, ouais, 60 chevaux. Hop. Là, ce qu'on fait, juste. Ouais, voilà, c'est bon. On peut choisir la couleur, ça c'est cool. Modifier, on va la mettre en massé. Massé Ferguson. Avec un petit côté blanc, ouais, Sia. Ouais, blanc, blanc, comme ça. Ouais, c'est stylé, voilà. Ouais, ça va, 100 balles. La peinture, ça va. Tac. Ensuite. Pour charger les balles, alors là ce qu'il y a de bien c'est qu'on appuie sur R3, on a toutes les combinaisons, ça c'est génial. Possible avec, alors, pas top hein, pour prendre des balles. Là on a la fourche à balles rondes, mais du coup je préférerais même des pinces à eux enrubannées. Quoi, c'est une pince qui est en ruban en même temps, c'est peut-être ça. Peut-être. On va prendre les pics. Hein. Ouais, on va prendre ça, les pics comme ça, alors. Les pics, là. Ouais. Tac. Hop. Hop, hop, hop. Il nous faut une remorque aussi. Une remorque pour charger les... ces fameuses balles. Après, est-ce qu'on a une remorque à balles, spéciale balle par exemple? Déjà, ça se trouve où? Non, ça c'est une remorque sur BC. Voilà, dites-moi pareil, là, toutes ces petites étapes comme je suis en train de faire et tout, est-ce que ça vous gêne ou pas? Moi, je sais pas. Moi, pour le moment, je préfère le faire avec vous. Après, si vraiment vous, ça vous gêne, vous voulez que ça, vous préférez que je le passe, et ben je le passe. Mais je sais pas, moi, je trouve que c'est plus intéressant de voir tout ça ensemble. Là. Là, on a une presse à balle, mais on n'a pas de. Attends. Pas les remorques spéciales à balle? Bah ben ouais. Ça me paraît bizarre ça. Ah. C'est... Non mais oui je sais, je suis bigleux. Mais désolé, j'ai un peu mal aux yeux aujourd'hui. Pourquoi j'ai mal aux yeux? Parce que ben j'ai... ça fait deux jours que je dis comme un malade sur FS. Hein, permettant sur mes balles, il n'y a pas d'autochargeuse à mon avis. Hein. Le gros bluff, c'est un ramassage de balles, ok. Ah bah si, là on a une autochargeuse de 180 à 240 cm pour des balles carrées. Est-ce qu'ils vendent des balles carrées? Est-ce qu'on y vend des balles carrées? Balles de foin carrées, ouais, nickel. Balles de foin carrées, c'est nickel. Du coup, on peut la prendre. Tout dépend aussi le prix. Et ça, c'est une automatique, ça? Je sais pas. Mais de toute façon, ça, c'est lesquelles? Ça, c'est des rondes. C'est des rondes. Là, balles carrées. Ouais. Ouais. Non. Non, 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 non. 90 000. Ce n'est pas dans le budget. Ce n'est pas dans le budget. Alors là, on a soit je prends le truc sur BC comme ça. Parce qu'il est idéal pour charger les sacs. Comment le casse-bag?
comment on dit ça? Big Bug. Gasbag, c'est une créature dans Ark. C'est vrai en plus, ou celle-là. Non, l'autre. Hein. L'autre. Ouais, l'autre. Ouais, rond et carré, après, je vois pas pourquoi, de toute façon, je pourrais pas faire les deux. On va prendre celle surbaissée. Celle-ci. Mais normalement, c'est pour les véhicules, comme il m'a dit Bozo hier, mais ça va, ça marche bien. Surtout pour les sacs à Big Bag. C'est super bien. Voilà, on a quoi là? BKT. Standard. BKT, j'aime bien. Voilà. Tac, modifié. Voilà. Ok. Nickel. Et on l'achète. Et c'est parti. Bon, moi, je vais ramener toutes les balles et tout à la maison. Mais par contre, le chargement, on se le fait ensemble. Je trouve que c'est intéressant quand même de passer par cette petite phase là. Mais après, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez que tout ça, je zappe ou quoi que ce soit, parce que c'est un peu trop chiant, il n'y a pas de souci. Mais je pense que je vais charger les deux premières balles, on fait un petit accéléré sur les balles, je sais pas, je vais voir. Je vais voir. 1400 quand même, hein. 1400, ça aurait été moins cher de faire le contraire en fait. Hein. Ah bah non, de toute façon, il n'y a pas de balles d'herbe, qu'est-ce que je raconte, moi. Ils vendent pas de l'herbe. Hein. Ok, on va s'en prendre une, deux, un, quatre, cinq, six, huit. Voilà. Voilà. C'est parti. La chargeuse, elle est là-haut. Mais non. Je peux pas la prendre pour l'instant. Dépêche-la. Voilà. Bien, je suis pas le meilleur chargeur au monde. Et ça, est-ce qu'on peut les réduire comme ah non, ouais, l'écartement me paraît. Je sais pas si on peut le. Bah non, il n'y a rien pour le réduire. L'écartement me paraît assez large. Ça, c'est que pour de la balle carrée. Alors, hein. Juste, je vais déplacer la remorque. Un peu comme un bourrin, hein. Faire gaffe. Voilà, comme ça. Hop. Allez, hop, c'est parti, mon kiki. Est-ce que je suis prêt? Non. Est-ce que vous êtes prêt? Oui. Deux par deux, on va essayer de la prendre. Ça me paraît, ouais, ça me paraît possible. D'accord, il y a deux rangées de pics comme ça, ok. On va bien se mettre en face, hein. Oui, c'est ça, je suis vachement en face. Ah, mais là, ça me paraît en face. Non, ça me paraît pas mal, là. Ouais. Paraît chaud de prendre les deux en fait. Faut y aller doucement, hein. Wow, on a large de la place là, encore.
Nickel! Allez, on en fait encore deux ensemble et le reste je le fais tout seul, bien sûr. C'est quand même long. Surtout avec moi. J'ai envie là, je sais que j'ai déjà vu plein de vidéos, putain, où gérer les balles comme ça, tac 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 tac. On va d'abord les prendre les deux de derrière. Putain, malgré les cassettes, on est déjà plus qu'à 19 000. Aïe. Je viens de caler un truc là, attendez voir. Ouais. Genre c'est un peu comme si j'étais dans le bâtiment, genre ça résonne un peu, genre je sais pas, c'est bizarre. Pareil, hein. Faut y aller doucement pour pas que celle du dessus elle tombe. Et franchement, ouais, les big bags, franchement, c'est top. Et pas besoin de la pince à big bag. Hein. Vous prenez un truc à palette, c'est génial. Ça en prend deux comme ça en même temps, c'est génial. Et la physique aussi des big bags sont. Le magnifique. Alors, oula, un peu, ouais, on l'a un petit peu bougé, comme on dirait. Ouais, une petite masse aurait été pas mal à l'arrière. Hein. Que je mette, peut-être que je prévois ça. Ouais. Après j'étais vachement haut, c'est vrai que j'aurais. C'est pour ça aussi. Hein. Nickel! Eh ben allez, on se retrouve tout de suite. Eh ben nous revoilà. Alors ouais, j'ai passé 3 mois du coup. Hein, parce que en fait, du coup, je voulais voir en fait si l'herbe elle poussait encore plus, mais non en fait. Mais ouais, c'est bizarre parce que je crois dans le 19, l'herbe elle poussait largement plus haut que ça. Après, tu pouvais là largement la faire pousser plus haut que ça. Et là, c'est vachement bas, je trouve. Je trouve. Voilà, vous voyez, on a réussi à ramener les bottes, on a bien chargé. C'est du propre quand même. Je pensais pas m'en sortir. Ouais, on sortir façon de parler, je pensais que ça allait être un peu en vrac dessus, mais ça va. Et ben du coup, ce qu'on fait, regardez, comme ça on commence un peu dans le noir, et puis petit à petit il va faire jour. Réglage. Réglage, tac. C'est pas là-dedans. Si, c'est d'être au-dessus. Voilà, temps réel. On se met en x5. x6, x10, et on arrêtera vers midi le temps. Voilà. Alors. Mince. Le truc que je me demande, c'est que est-ce que ça active celle de devant ou pas? Non. Ah si, c'est bon, c'est bon. J'avais peur de devoir en fait repasser sur l'autre pour tout activer, quoi. Ah mais non, mais attendez voir. Là c'est parce que je suis sur celle de derrière. Et celle de derrière elle est pas activée. Ah d'accord. Ah c'est chiant, faut que j'active les deux à chaque fois en fait. Ah dommage que ça s'active pas ensemble en fait. Ouais. Et bah allez, c'est parti hein. Oui, c'est vrai que des petites lumières. Ouais. Lui du coup il y a bien la lampe de poche. Parce qu'avec Gozon, on croyait qu'il y avait pas la lampe de poche en fait. Non, ouais, ça active vraiment la nuit la lampe de poche. Sur notre personnage. Ah
Ouais, du coup j'ai quand même réactivé la neige là pour le moment, voir si sur ma partie ça va bugger en solo. Parce qu'en multi la neige bug. Nous pour vous dire en multi la neige elle tombe en ça s'amusait à tomber en mai. En juin c'était waouh, rempli de neige et après t'en as jusqu'à je sais pas quand. C'est pour ça pour l'instant en multi on l'a désactivé en attendant une mise à jour. Ah, il y a quand même voilà, des petits bugs et tout pour le moment sur le jeu, ça c'est dommage. Après ça m'enlève pas le plaisir de jouer. Mais il y a quand même des petits bugs, je prends pas tout là. Fasse gaffe moi. Ouais. Fasse mieux que ça hein. Et du coup, ouais, bah, du coup on a désactivé pour le moment la neige en multi, alors je vais voir si en solo c'est pareil ou pas. Ça serait bien que ça bug pas en solo. On puisse avoir un beau gameplay avec la neige aussi. Ça pourrait être pas mal hein, pour la prochaine vidéo. Surtout que là on passe vite hein, le temps. On passe vite le temps. C'est pour ça, bah, normalement vous l'aurez déjà vu la vidéo, elle sera déjà sortie. Je vais faire un test en fait. Voilà, je vais faire un test pour voir en fait, vu qu'avec le mode saison du coup, on passe beaucoup de temps. Surtout au début quand on n'a pas beaucoup de champs, pas beaucoup de matériel, du coup on va vite passer par exemple un an bah, ou 10 mois pour pouvoir aller récolter tout ça. Et du coup avec le poteau ben, on se demandait du coup mais par rapport aux véhicules, parce que du coup ils prennent cher, ils prennent à chaque fois des 12 mois dans la gueule et tout. Et c'est pour ça que je vais faire le test en fait, je vais acheter un véhicule. Et je vais l'acheter, je vais voir combien je peux le revendre. Je vais passer un an et je vais voir s'il se revend toujours au même prix. Voir si vraiment ça prend juste en compte les heures de travail avec ou si ça prend quand même en compte la durée de vie, la durée que qu'on possède le matériel. Alors on verra. J'espère que c'est bien fait et qu'ils ont pensé à ça. Parce que ça serait un peu bête quoi, parce que ouais, vu que tu passes vite les mois. Si au final ça c'est percutant sur le prix de ton véhicule, ça va être un peu problématique. Il y a ça, et puis il y a aussi pour ceux qui veulent jouer sans mode saison, c'est pas top. Parce que du coup les cultures elles poussent quand même très lentement, genre faut quand même passer pratiquement 5 mois quoi. Et ouais, c'est pas l'idéal quoi, parce que le but de jouer sans mode saison, c'est pas d'attendre que ça pousse à tel et tel mois quoi. Parce que là en fait le mode saison quand on le désactive c'est à peu près, c'est comme si en fait ça nous permet juste de pouvoir semer et récolter quand on veut quoi, c'est tout j'ai l'impression. Ah et n'importe quel moment de l'année, mais après sur la pousse tout ça ouais on a même plus pour accélérer le temps des cultures tout ça, donc ouais je sais pas. Ça c'est aussi un truc à voir parce que quand même il y en a plein je pense, je sais qu'ils jouent sans le mode saison. Et du coup ça peut être assez dérangeant. Je sais pas si je le fais bien ou pas, ou si c'est mieux d'abord de passer en rond, un coup en rond, et ensuite je sais pas. Tac. Ah sinon franchement je m'éclate bien, même en multi je m'éclate bien alors que j'ai pas encore vraiment testé les nouveautés, tout ça, on n'est pas vraiment encore sur les nouveautés, les usines, tout ça et tout, mais on est sur la nouveauté bien sûr du mode saison, mais après le reste, ouais je pourrais pas passer en une fois là. Ouais. Entre temps j'ai quand même été remplir les serres. Hein. Nickel. Alors on aura bientôt je me remettrai en face cam. C'est juste que pour l'instant c'est un petit peu encore galère pour installer tout ça, pour remettre la caméra machin et tout. Voilà, mais ouais bientôt on refera la face cam et puis pour le volant c'est pas encore maintenant. Je pense que je vais attendre encore un peu parce que en plus faut pas oublier que là ça y est ils ont mis le retour de force. Donc c'est pas très bon pour moi de jouer avec le retour de force pour le moment. Vaut mieux pas quoi. Vaut mieux pas. Et vous voyez, on a les jolis arbres au fait en orange, hein, c'est pas mal. Hein. Voilà, alors du coup, plié. Ouais, parce qu'en fait, du coup, je suis obligé de repasser, je crois, à celle de devant
pour l'arrêter en fait. Tac. Ouais, c'est ça, désactiver. Dommage que je peux pas faire en sorte de. Bah, de. Comment dire. D'activer l'ensemble en fait. Ça aurait été mieux. Je pense. Peut-être que si on sélectionne que le tracteur. Non. 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 Je me suis dit peut-être, mais. Alors, on met ça à l'intérieur. Regardez, entendez le bruit? Vous entendez la résonance? Ah, c'est. Ah, c'est beau, c'est top. Alors si jamais vous aussi, normalement, bah, je pense que oui, hein, sur PS4, bah, même je crois que sur les autres plateformes, vous avez des petits, vous savez, ça fait des petits scintillements comme ça en noir et tout, les textures ou quoi que ce soit, bah, c'est pour tout le monde pareil, hein, c'est pas que vous, ne pensez pas que c'est votre console ou quoi que ce soit, il y a de la culture là-dedans. Ah oui, il y avait, c'est du colza, hein, je crois, hein, mais du coup c'est bon, j'avais planté du colza, ouais, c'est nickel. Alors, on va passer l'endaineuse. Pour la chargeuse, hein, ça par contre je le ferai hors vidéo. La chargeuse c'est pas le gameplay le plus intéressant à voir. Mais voilà, ça je préfère. Hein. Vous voyez, parce qu'en accéléré, je trouve que ben ça gâche un peu, comme j'ai dit. Bah, j'ai une petite impression que ça fait que du coup c'est comme si vous regardez plus de la gestion, quoi. Parce qu'au final, si je fais que des accélérés, c'est vraiment que de la gestion et basta, quoi. En plus sur console, si on veut faire des beaux accélérés, vaut mieux prendre un ouvrier. On n'a pas. Bah même sur PC, je pense que quand ils font leur truc, ouais, c'est ouvrier pour mettre la cam au-dessus et tout. C'est ouvrier aussi. Oula, oulala. Comme ça vous pouvez voir aussi les failles. Hein. Mais voilà, après dites-moi, hein, vous me direz dans les commentaires si. Voilà, si vous préférez qu'on passe vite fait ça. Après, c'est sûr, dans les grands champs, on va pas non plus. Plus tard, qu'on aura des énormes champs et tout, peut-être pas non plus les faire en entier comme ça, voilà, en vidéo ou quoi que ce soit, parce qu'après, bah, voilà, on va pas. On a déjà fait une vidéo de 2 heures pour commencer, stop. Je pense que non, ça vous intéresse pas. Faut quand même essayer de rester en dessous des 1 heure, ça serait l'idéal. Même là, j'ai pas compté. J'ai pas compté, j'ai oublié de mettre le chrono ou de regarder l'heure. Quand je l'active, est-ce qu'il s'abaisse tout seul? Non. Ok. Voilà. Ah ouais, j'ai pris serré là. Voilà. Ah non, en fait, j'étais pas si serré que ça. Hop. Voilà, n'hésitez pas à me dire hein, si vous prenez vraiment plaisir sur ce nouveau FS22. Hein. Pour moi, franchement, c'est pas le même. Après, comme je dis, je vais pas jouer non plus énormément sur le 19. Mais pour moi, ouais, c'est pas le même jeu. Ah, c'est si, c'est le même jeu, mais il est quand même bien, bien différent. Hein. Et c'est ça qui est cool. Après, vu que j'ai pas trop fait 19, ça va. On va dire que. Quand même des choses aussi que je reverrai quoi, j'ai pas fait de patates sur le 19, j'ai pas fait de betterave, j'ai pas fait de maïs, il y a plein de choses que j'ai pas fait, hein. Le bois si je l'avais fait. Mais c'est vrai que là le prochain objectif après les moutons, je pense que, dites-moi, prochain objectif, nouvel enclos d'animaux, ou prochain objectif farm pour une usine. Moi personnellement je pense que ça serait peut-être un peu mieux pour une usine. C'est clair je pense d'abord. Mais même après moi les animaux ça me dérange pas parce que j'adore. Mais c'est vrai que. Voilà. Oh le carnage. C'est vrai que ouais, tester les usines en premier ce serait peut-être mieux hein, je pense. Vu que c'est une nouveauté. Ouais, c'est vrai que j'ai peut-être un peu mal placé mon enclos à moutons. C'est peut-être pas l'idéal, mais bon.
C'est joli quoi. Ah, c'est bien là en fait, avec cette NS2, on a juste à suivre en fait la faucheuse du milieu là. Là où on passe en fait la faucheuse au milieu. Ah, mais je crois qu'en fait c'est à peu près le même nombre de mètres, hein. Je crois que c'est 8. C'était aussi c'est 8,3 cette andaineuse. Et pour la faucheuse c'est du 8,4, je crois. Si je dis pas de conneries. Si je dis pas de conneries. Ah, du coup, je suis content parce que ça va, on aura fait notre objectif de cette vidéo, je vous avais dit, hein. Je sais pas si vous vous en rappelez. Hein, c'est de, à la fin de la vidéo, d'avoir les moutons. Du coup, ça va être bon, je pense, hein. Largement, bah oui, pourquoi je pense? Là, je suis en train de ramasser, je suis en train de faire l'herbe, je vais la ramasser, c'est bon, j'ai du foin, j'ai de l'herbe. Donc, c'est bon. Ah ouais, moi j'ai fait une petite connerie au cas où, hein, pour ceux aussi qui débutent sur farming. Ouais, parce qu'en fait, j'avais acheté des cochons sur mon autre. Sur le lot de ferme en multi. Et puis du coup, bah, je leur donnais du colza, des choses comme ça et tout, parce que j'avais pas de betterave, de pommes de terre. Mais c'est vrai qu'au magasin, ils font, en attendant, quand vous avez pas toutes les cultures, ils font des sacs à cochons. Donc autant prendre les sacs à cochons au début. C'est clair. Et bien attention, hein, les pâturages, ça sert juste à la reproduction. Voilà. Les pâturages servent juste à la reproduction, hein. Vous n'aurez pas l'idée de fumier. Si vous prenez un pâturage par exemple à cochon, pâturage à poule, si je pense qu'il y a moyen d'avoir les œufs, mais pour voilà, tout ce qui est vache, tout ça, mouton et tout ça. Mouton, j'ai pas regardé, mais vache, j'ai déjà regardé, mais après, à mon avis, c'est pareil, hein, vu que les cochons et les vaches, c'est comme ça. Ben voilà, ça sert vraiment juste à la reproduction. Ah, mais vous allez voir, hein, franchement, les moutons sont magnifiques. On est au mois de novembre, alors même s'il est 10h, ouais, il fait quand même sombre. Mais franchement, le décor de l'automne est. C'est un de mes préférés, je crois. Après, l'hiver aussi, j'aime bien, mais sur le jeu, je l'ai pas vraiment vu en vrai, vu que j'ai désactivé sur le multi et que ça buguait. Alors, on verra là si ça bug pas, si. Pourquoi elle se tourne pas? Oh la galère. Les arbres là, il va falloir en couper. Hein. Ouais, je pense que ça, il faudra louer un peu de matériel et bon, je pense qu'il y aura une petite vidéo où on va faire du coupage d'arbres. Hein. Et puis en plus, ça changera. On aurait pas mal là, je pense, tout cela là. Ouais, peut-être pas ce qu'il y a sur la longueur. Mais pas sur cette longueur là, mais ceux de derrière, ouais. Parce que ouais, il gêne quand même, hein. Il gêne pas mal. Il gêne pas mal. Ok, ben on a bientôt fini. Ah, parce que par contre là, bah pareil, hein, la petite clôture, elle va vachement me gêner. Hein. C'est vrai que j'ai peut-être pas placé au meilleur endroit. Hein. Petite vue intérieure. Hein. Petite John Deere. J'ai pas de conneries, oui, c'est mon John Deere. Hein. Vert, quoi. Hein. Ah, désolé, hein, je suis pas l'expert des marques. Oulala, j'ai vrillé là un peu. Hein? De ma trajectoire. Hein. C'est pas du boulot ça. C'est pas du boulot ça. Désactiver, pas que je prenne. Que je commence à ramener l'autre andin de ce côté-là, ouais. Ça serait pas top. Hein. Voilà, il nous restera une ligne à faire. Une ligne à faire, et puis après, comme je l'ai dit, je ramasserai la chargeuse. Non, non, attends. Juste pour vous montrer un peu. Vous voyez un peu. La machine fonctionnait. Non. Ah, mince, il a désactivé. Voilà.
Non. Non. C'est là qu'on va voir Aïe, le pilote en action? Non, même pas. Ouh là 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 là. Mais ouais, ça tourne pas comme une remorque ce truc. C'est assez spécial, j'ai la manier pour une marche arrière. Non, si, ah, si, 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 c'est juste moi qui les prends mal au début. Ouais, je suis pas un pilote. Ils sont magnifiques les pneus. Non, par là. Voilà, ça devrait être pas mal. Ouais. Hop. Et hop. Allez, go. Ah, on a payé, vous voyez, 5 euros. Voilà, ça va, ils gênent pas les armes. Mais par contre, au fond, ouais, s'il faudra les couper. Ça sera un coup de tronçonneuse. Ah, par contre, j'ai les yeux explosés. Ah ouais, non, mais là, je force trop. Ouais. En fait, t'as pas envie de t'arrêter, quoi. Quand tu joues, t'as pas envie de t'arrêter. C'est le problème. Eh ben, allez, bah moi, je vais ramasser tout ça, et puis, bah, on se retrouvera après. Aïe, quand même. On voyait un peu les textures. Regardez. Et la paille aussi, là, vachement bien faite. Là, c'est quand même mieux fait, hein. Regardez, vous voyez bien. Ah ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. Et nous revoilà, alors j'ai pas encore amassé le chantier, hein. Là j'ai 23 litres. Le problème c'est que ben. Ah, dans le silo aussi ça rentre pas. C'est comme. Comme la paille aussi, elle rentre pas dans le silo. Dommage, on n'a aucun silo pour mettre l'herbe. À part, voilà, les silos bunker. Regardez là ce qu'il me reste. Il me reste plus de la moitié. Alors on peut se dire que là, 23 000. Ouais, on peut se dire qu'on est à peu près dans les 55 000. 55 000 litres sur ce champ. Et ben du coup on va attaquer les moutons. On est là pour ça. On va déjà leur donner la nourriture. Comme ça moi je ramasserai le reste d'herbe en off. À moins qu'on peut la stocker là-dedans l'herbe. Eh, ça pourrait être pas mal. On la met là-dedans et puis quand il y a besoin on vient en goder, on donne de l'herbe. Ouais. Pour le surplus d'herbe. Oui, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Et puis après, quand on a trop d'herbe, ben là on mettra un silo. À mon avis, il va falloir que j'aille chercher les disquettes pour le silo, hein, parce que un silo minimum. Là, un minimum, c'est 25 000. Ah, ouais, au moins une petite disquette quoi pour prendre un petit silo à 25 000. Ouais. Je pense qu'il faudra que j'aille rechercher une petite disquette. Alors attends, on va tester ça. De mettre ça ici. Mais ouais, ça peut être idéal. Même si l'endroit là, normalement, de base, il pourrait être idéal aussi pour stocker les bottes. Hein. C'est vrai. Mais après, les bottes, je peux les laisser sur la remorque, ça dérange pas. On peut même les mettre là sur le côté extérieur, là, ici. Ouais, y a pas. Oui. Mais bah, de toute façon, j'ai pas d'autre endroit pour mettre de l'herbe pour le moment. Et ça, après, par la suite, s'il y a un mode par contre pour mettre un silo où on pourrait mettre l'herbe, on le prendra. Pas un bunker, hein, voilà, je parle d'un simple silo. Alors, est-ce que là, alors, un moteur. Ah, je peux pas décharger. Je peux pas décharger. Je peux pas décharger. Ah, je peux décharger que ici. Ah, bah non, c'est. Non, non, c'est pas bon, hein. Ouais, là, la merde que ça va faire. Aïe, oui. Non, c'est pas top top. Hein. C'est pas top top, du coup. Alors. Je sais pas si je peux déjà décharger s'il n'y a pas d'animaux. Je sais pas. Si.
Voilà. Alors, combien on peut mettre là-dedans? C'est ça aussi. Pas qu'on reste bloqué avec notre air sur le champ, tant qu'on n'a pas le silo. Mais au pire, le silo, je peux l'acheter pour le prochain épisode. On l'achètera au prochain épisode. Ah bah oui, on met que 11 000 là, ouais, on n'a pas le choix. Je suis obligé d'acheter un silo. Là, j'ai pas le choix, là. Il n'y a pas le choix. Et puis au pire, le silo, on le ferme pas. Comme ça, on peut toujours venir récupérer l'herbe. Ouais. Ouais, on va faire ça. On fera ça. Ouais, il y a les chats qui se battent. Ça vous a entendu. Chut. Oh, je suis en vidéo, les chats. Faut respecter, hein. Bordel. Ah ouais, c'est la chatte, c'est une jalouse. On avait la chatte de ma femme, du coup, vu qu'on a pris un petit chat pour mon fils en cadeau. Ah, la chatte, elle est jalouse, elle aime pas ça. Bon, elle est jalouse. Elle aime pas qu'il y ait un autre chat à la maison. Après, ça va, hein, pas non plus, elle le bouffe pas. Hein. Elle reste gentille, elle lui donne des petits coups de patte sans sortir les griffes. Ça va. Oui, c'est vrai que moi j'enlève même pas les sangs. Ah si! Regardez, bah tiens, on va les enlever manuellement parce que regardez-moi ça. Attendez, je coupe le bruit du moteur pour pas qu'il gâche le bruit. Parce que ah, vraiment, vraiment, puis là ils ont été dans les détails, c'est ça qui est top. Alors, comment on fait? Voilà, regardez, écoutez bien, je vais plus faire un bruit. Les chats. Attention. Hein? Mais non, on l'a pas sur PS4 ce bruit? Ah bah peut-être pas sur cette petite de remorque, peut-être. C'est peut-être sur la remorque là qu'on l'a pas. Oh non! Ah ouais, j'avais vu sur une vidéo, on entendait le bruit descendre. Et là, on l'a pas. Ah mince. Ah, je suis dégoûté. Bon, on a quand même beaucoup de bruit qu'on a. Alors après, c'est peut-être la remorque, hein, puisque là-bas, c'est une remorque à véhicule. Peut-être que c'est sur cette remorque-là qu'il n'y est pas. Hein. C'est peut-être sur cette remorque-là qu'il n'y est pas. Mais de toute façon, je vous confirmerai. Je vous le confirmerai. Ah, c'est bien ça. Et... Je sais pas, on appelle ça des sabots, je crois. Ah mince, ouais. Du coup, je vais vous montrer un truc et... Eh ben non. Tac. Pas besoin de soulever plus haut. Hein. Ah mais on a encore un stockage ici en plus. Mais à mon avis, c'est. Est-ce qu'il va y avoir des palettes? Non, les palettes elles vont sur le trigger. Mais là aussi on a un autre stockage. Ouais, on peut mettre pas mal de bottes hein, du coup. Bottes carrées, je trouve c'est un peu plus simple à travailler, je sais pas. Vous êtes team carré ou team rond? Ou team vrac? Ah. Ça prend pas? Ah, mince. Non, j'ai trop mis d'herbe. Ah, le con. Ah, cogno. Je pense. Sûrement, j'ai trop mis d'herbe. Du coup, il n'y a plus de capacité de... Il y a peut-être moyen que ça soit ça. Il y a un truc que je me demandais, tiens. Est-ce que dans la mélangeuse, par exemple, je sais, la mélangeuse pour faire voilà le total ration, là, je sais pas quoi. Bah, si je mets juste du foin, de l'herbe, et après que je le remets, est-ce que ça comptera bien comme un mélange foin-herbe, par exemple. Si je mets juste foin-herbe dedans, je sais pas. Faudrait que je teste ça aussi. Du coup, je pense que c'est ça. Hein. On va couper le tracteur. De toute façon, je pense pas qu'on pourrait rien voir là. Je pourrais rien voir, ouais, je pourrais rien voir sur ça. Mais à mon avis, je pense que c'est ça. Je pense que j'ai trop rempli l'herbe. Ah, dommage, dommage, dommage. Ah, la connerie. Ah, c'est une connerie parce que du coup, ils vont pas être en productivité 100% dès le début. Alors, c'est parti. Ouais, ça aussi, dommage, hein, vous voyez, dans animaux, transport d'animaux, vous voyez. Ça c'est vraiment dommage. Ça c'est pour les chevaux. Chevaux.
Et c'est vraiment dommage parce que ben on n'a rien pour transporter les animaux plus tôt. C'est ça, moi j'aurais bien aimé chercher mes animaux moi-même et tout. En plus ça fait gagner de l'argent. Non, il faut ça, c'est-à-dire qu'il faut soit un Dolly plus ça fait quand même 80 000 avec le Dolly, on va dire 90 000 en début de jeu, c'est pas ouf. Ou un camion quoi. Et ça c'est dommage qu'on ait pas une petite version pour aller chercher nos animaux. Je crois que sur le 19 il y avait ça. Hein. Donc peut-être attendre un mode du coup. Alors, ouvrir le menu des animaux, qu'est-ce qu'on va prendre? On a une capacité de 65. Je pense qu'on peut prendre deux races. On va prendre deux races. Alors ceux-là, ils ont 0 mois. Donc c'est-à-dire 0 mois, ils vont pas tout de suite se reproduire. Hein. Reproduction, c'est 5 mois. Hein? 5 mois pour se reproduire, ça. Mon avis. Ou c'est ça commence la reproduction à 5 mois. Je sais pas. Je sais que les cochons, c'est 4 mois, je crois. C'est 25% par mois. Bah ça, de toute façon, on le verra dans le prochain épisode. Pour les moutons, c'est pareil. Bah tout simplement. Non, je peux pas aller voir là, les cochons. Du coup, est-ce qu'on prend des petites? À mon avis, on peut prendre des petites parce que du coup, en fait, l'avantage, en fait, c'est plus elles vont vieillir, plus elles vont prendre de la valeur. C'est-à-dire qu'en fait, vous serez gagnant en termes. Que là, bon, elles vont quand même prendre de la valeur. Elles vont prendre de la valeur, mais si on les achète de base à 200 $, elles vont prendre de la valeur. Mais le problème, c'est qu'ils vont pas produire tout de suite. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'on en achète 10. En tout, faudrait remplir là 30. Faudra en mettre 30. 30, je pense. 30, 20. Non, 20 moutons pour commencer. 20 moutons. On les laisse se reproduire, tout ça. Et ouais. Ah là, par contre, waouh, ils sont chers celui-là. Ah oui, ils ont 30 mois. Ils ont 30 mois. Ouais. Alors, je pense qu'on va prendre des brins du Jura. Et des petites bêtèmes là. Ouais. Du coup, on a dit 20. Du coup, je prends 5 petites, 5 adultes, et pareil en bas. Ouais, on va faire ça. Tac. 5 comme ça. Acheter. Oui. Ok. Ensuite, 5 comme ça. Ça vaut de l'argent, hein. 5 comme ça fait. Enfin, total de 2400 plus la livraison, 2600. Ouais, ça va. Ça va. Tac. Ok, et après on a dit celle du Jura. Oui, normalement le mieux, le plus optimisé, c'est vraiment de prendre toutes les mêmes races, mais. Ouais, j'aime bien voir un peu de différence, voilà. Je sais pas si vous êtes pareil. Un 5. 5. Acheter. Voilà. Et maintenant. Celle à 400. 5. Ok. Voilà. On va voir les petites. Oh là. Oh, elles sont stylées. Attendez, faut les voir de près là. Oh, elles sont trop belles. Santé, on est qu'à 10%. Nourriture, ouais. Ça, c'est bien là, tout le détail là. Âge. Nombre 5. Regardez-les. Ah, elles sont magnifiques. Magnifiques. Par contre, elles vont pas manger aux jauges. Ah si, ah si. Attendez voir. Ah, oh, vont voir la bouche intérieure. Ah ouais. C'est trop mignon. Mal à les noirs là. Salut. Tu déranges pas? Le pelage. Ah oui, et faut savoir, quand il pleut, ben je sais pas si le mouton ça fera pareil, mais on le voit en fait sur les animaux. Genre les cochons et tout, vous voyez la pluie sur leurs petits poils là. C'était vraiment magnifique. Oh, elles sont trop belles les biquettes. Ah ouais, franchement elles sont belles. Hein. Elles sont très très belles. Hein. Ah magnifique. C'est magnifique. Ouais, du coup, regardons alors du coup dans là-dedans si c'est bien à cause de ça que je peux plus mettre. Ouais, total. Voilà, c'est pour ça. Ouais, total. Ouais. Du coup, maintenant, faudra remettre que
en foin là. C'est ça, ouais, j'ai fait une bonne connerie. Ouais, efficacité 100%, alors à mon avis, je suis peut-être à 50%. Ouais, non, mais ça c'est dommage. Alors, reproduction âge. Ah, ça reproduit à partir de l'âge de 8 mois. Du coup, là j'en ai qui ont déjà 8 mois et là aussi. Et là aussi. Alors, ceux-là, elles vont se reproduire. Celles-là, elles attendront. Mais vu qu'on les a achetées 200 balles, c'est-à-dire que sur cela, on gagnera plus d'argent. On gagnera plus d'argent, en fait. Hein? En fait, il faut faire un cycle à chaque fois. Bon, là, ça va mettre un peu de temps avant les vendre, parce que ce qu'on va faire, c'est que on a 62 places, on n'en a acheté que 20, pour vraiment maximiser la repro. Du coup, il va falloir quand même passer pas mal de mois avant que... Voilà. On verra en un mois, si ça fait 25%, c'est-à-dire que c'est 4 mois. Mais à mon avis, c'était écrit 5 mois, alors c'est que... Ah bah oui, reproduction âge 8 mois. Alors oui, c'est bien ça. Les moutons, ça se reproduit tous les 5 mois. S'ils ont une efficacité de 100%, bien sûr. Si l'efficacité n'est pas de 100%, ça va être le double. Ce qui est le cas pour le moment. Ce qui est le cas pour le moment. Mais ouais. Du coup, ouais, c'est ça, la reproduction, elle commence à partir de 8 mois et eux, c'est 5 mois. Ils reprendront 20% par mois, en fait. Ok, donc c'est pas pour tout de suite qu'on pourra les vendre. Bon, entre-temps, hein, on aura la laine hein, quand même. Hein. Oui, parce que oui, moi je parle de la repro, oui, parce que sur mon multi, pour l'instant, j'ai que des enclos à repro. Ah, mais elles sont magnifiques. Et ben sur ce, putain, j'ai peur que j'ai dépassé les 1 heure là. Et ben on va s'arrêter là. Et puis bah ben, moi, franchement, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. La chaîne redémarre bien. On fait une bonne reprise là. Après avec farming, hein. On est bien, on est bien, on est bien. Et ben du coup, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour chaque chèvre. Ouvrez un compte pour chaque chèvre. Et voilà. Et puis bah voilà. Et puis bah moi je vous dis à la prochaine. Le prochain épisode est pour lundi. Hein. On va essayer de faire voilà, lundi, mercredi, vendredi. Si ça vous va, 3 épisodes par semaine. C'est correct pour le moment, je pense. Un épisode par jour, ça va faire un peu trop vu que je fais beaucoup de live. Voilà. Les gens, ils aiment bien aussi. On aime bien. Vous aimez bien aussi en live, quoi. C'est quand même. C'est interactif quoi. L'avantage du live c'est que c'est interactif. C'est ça. Et ben allez, bah bonne journée à vous. Bonne soirée si vous regardez ça le soir. Bonne matinée si vous regardez ça le matin. Et allez, salut tout le monde. Bye. Thank you.